Salut tout le monde, c'est Black Paradise, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve sur Little Big Planet 2 pour la suite de notre Let's Play. Donc on est déjà à l'épisode 12, alors voilà, on est déjà à l'épisode 12 de ce Let's Play et je vais vous le dire, l'épisode 12 c'est l'avant-dernier du Let's Play, oui, c'est l'avant-dernier et le dernier sera l'épisode 13 donc. Donc c'est parti pour l'épisode 12, on va aller dans le mode histoire et on va continuer notre Let's Play sur ce fabuleux jeu. Donc, on avait débloqué le monde qui s'appelle le Cosmos, voilà. Le monde avec un espèce de... On le découvrira après, ça va être le monstre de fin, si je puis dire. Le Négativitron, voilà. Donc, on va commencer avec la cinématique qui s'appelle Négativitron en approche. C'est parti. Donc, alors, niveau des mondes. Donc, au niveau du monde, là, c'est le sixième et dernier. Sixième et dernier. On remarque dans la planète où nous sommes, il y a une espèce de texture violette qui descend là, c'est un peu bizarre, on va peut-être en savoir plus après, on verra bien, j'ai aucune idée à quoi j'ai aucune idée à quoi peut ressembler le monde, mais bon. Alors, cinématique. Donc la cinématique commence, alors il y a, voilà, je remets au micro, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, il y a les 5 personnages qu'on a croisés dans les mondes précédents. C'est qui lui? Alors lui c'est l'espèce de taré mental qu'on avait vu dans lors du dernier épisode là, il voulait manger des chaussettes, oui c'est normal. Waouh! Une petite mélodie en fond d'ailleurs. Donc là on peut voir qu'il y a des. Un espèce de vaisseau qui est en train de se créer, si je ne m'abuse. Oui, les elfes du moteur avaient plongé dans la rivière les rêves, ils branchaient aussi, c'est vrai. Ok. Je les ai réparés, c'est-à-dire, donc, je vois, donc, le grand vaisseau remarche à présent, c'est ça. Donc, voilà, c'est le grand vaisseau. Putain, il est classe. On a un espèce de grand vaisseau. Alors, les amis, tous à bord, dit Léonard de Vinci. En version, personnage. C'est parti, on va y aller. Tous à bord, les amis. Oh, on voit les petits sacs-bottes avec nous. Oh, il y a les lapins, et tout, il y a les petits animaux. C'est classe. Attendez, ce jour sera gravé dans l'histoire. Les jeunes filles pleureront notre sacrifice. Nos noms seront inscrits dans les étoiles. C'est l'heure de ficher le camp. Je rigole. Ce mec est complètement fou. À présent, il est trop tard pour... Ah. Il est fou ou quoi ce présentateur là? Avalon! Eh bien c'est parti. Il fait toujours partie du cercle de la vie, il tourne, il crie, mais il n'est plus de bouche. Il n'a plus de bouche? Qui n'a plus de bouche? Qui n'a plus de bouche? C'est une ampoule. Ok, si tu veux. Il est toujours en vie, ok. Avalon se débat dans l'avion de la conscience. Et le temps redevient chrysalide. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre, mettons le turbo. Ah oui, bah vas-y, mets le turbo, moi j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Et j'ai trop hâte de découvrir les niveaux que nous réserve le cosmos, donc ce monde, appelé le cosmos. C'est parti, donc là on est en train de se propulser dans les étoiles avec notre vaisseau spatial. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une étoile qui tourne. Allez, faut qu'on découvre les niveaux. Chargement. Ah, voilà. Un long voyage nous attend. Le grand vaisseau naviguera dans tes rêves. Ce n'est pas un vaisseau, mais l'essence de la beauté la plus pure, voguant sur un faisceau de lumière. Tain, mais ce mec est tellement philosophique qu'il a dû avoir son bac cette année de philosophie. Ne t'inquiète pas, c'est un vaisseau. Bref, ok, fais un tour, c'est trippant, amuse-toi bien. Donc là, concrètement, les amis, on est dans un vaisseau. Je regarde s'il n'y a pas des petites choses à débloquer. Salut, toi. Toujours pas vers là-bas, bon, on peut y aller. On est dans le vaisseau. Niveau plutôt original parce que normalement dans les niveaux on se retrouve. Ouh, c'est classe. Ah, j'ai débloqué une nouvelle tenue. Tant mieux. Normalement dans les niveaux on se déplace. Comment vous dire. On est dans un niveau et là en fait c'est un niveau. En fait, si vous voulez, on est dans un vaisseau et l'action se passe. Le niveau se passe lors d'une action. Enfin, comment vous expliquer? Si vous voulez, là, le vaisseau se dirige quelque part et nous, on va juste un peu voir qu'est-ce qui se trame dans ce vaisseau. Non, je veux pas y aller.
Non, je veux pas y aller. Non, je voulais aller en bas. Je vais aller en bas. Je vais aller en bas. Attendez. On va déjà mettre notre petite tenue que nous avons débloquée. Si je la trouve, je la mets. Elle est pas là. Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? On a débloqué une tenue, mais comme d'habitude, là, j'ai pas... Enfin, je la trouve pas, je la trouve jamais. De toute façon, les tenues qu'on débloque. Je vais vous montrer un petit peu c'est quoi la tenue qu'on a débloquée. Donc, c'est la suivante. Alors, il faut trouver le chapeau, déjà. Tenue de Madame Soleil. Lol. Machin, ok. Faut que... Excusez-moi, mais je vais essayer de trouver un petit peu la tenue. Est-ce qu'il serait pas directement dans les costumes? Ce serait plus simple, je pense. Non, ça a pas l'air d'être dans les costumes. Vous savez quoi? On va rester comme ça et on mettra la tenue lors du prochain niveau. Là, pour le premier niveau, on va pas mettre la tenue, on le prendra au prochain niveau. Là, on voit des espèces de sackbots en train de jouer aux jeux vidéo, c'est assez classe. Ah, je peux jouer aux jeux vidéo, moi aussi. Cool. Alors, par mécène. Oh, je peux jouer à des jeux vidéo. Bon, les amis, on va jouer à un jeu vidéo dans un jeu vidéo. C'est parti. Oh, c'est classe, hein. C'est un Space Invaders. Non, c'est un Space Invaders. C'est un casse-brique. Allez. Hop. Là, je m'en fous, moi, je finis tout le casse-brique, moi. Non, j'ai perdu. Oh, mais en fait, ça sert à rien, regardez. Je peux le laisser partir, comme ça, c'est tranquille. Bon, on va finir le casse-brique pour voir, ça se trouve, on va débloquer un trophée ou quelque chose comme ça. On n'en sait rien, et en plus, c'est marrant, le casse-brique. Oh yeah! En plus, le casse-brique est assez vert. On voit les petits sackbots à côté de nous en train de jouer à d'autres jeux par contre. Vas-y, hein, mettez le mode multi. Yeah! On a débloqué un nouveau niveau. Nouveau niveau versus débloqué. Bah, vous voyez, on a bien fait de le faire. On va faire pareil là-dessus. Alors, c'est quoi ce petit jeu? Ah, ok! Donc là, quand je me penche, les amis. Ça a éteint à peu près toutes les lumières. Enfin, ça a éteint pas les lumières, mais... C'est assez bizarre. 2, 3. En fait, c'est un cheat code. Bon, allez, c'est pas grave. Salut, toi, ça va? Ah, en haut, il y a des autocollants. On va les prendre. Oui. Ah, ok, j'ai compris. Donc là, regardez. 1, 2, voilà. Donc en fait, quand j'appuie sur la dalle... Non, ça l'a pas pris. Quand j'appuie sur la dalle, regardez, je vais vous montrer. Le vaisseau se déplace tout seul et là... Hop, je vais arrêter de me mettre sur la dalle et ça va prendre... Cet autocollant. Ah, ça veut pas le prendre. Comment on fait pour prendre ça? Je comprends pas trop en fait. J'aime bien les niveaux, on est dans un vaisseau mais on est... Yeah, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Yeah, GG! Et voilà, nouvelle matière débloquée, yeah! On prend notre temps, surtout. À mon avis, ce niveau sera un peu plus long que les autres. Puisque c'est l'avant-dernier épisode du Let's Play. Donc il sera sûrement un peu plus long, je pense. Enfin, d'ailleurs, j'en suis sûr, à mon avis. Ah, cool, j'adore ce jeu. Ah, mais il faut qu'on joue à deux. C'est un jeu pour jouer à deux. Nouveau niveau versus débloqué. Ok. Non, je veux gagner, je veux gagner. Je veux gagner, comment on fait pour gagner? J'ai envie juste de gagner, moi. Voilà, c'est bon, pour moi j'ai gagné. Bon, c'est parti. Ah, un autre jeu. Décidément, il y en a pas mal du tout des jeux. Par contre, je comprends pas le but de celui-là. Ah, yeah, j'ai débloqué un nouveau niveau. Donc, les amis, c'est faut qu'on fasse un truc, c'est que là, on va prendre le temps de découvrir à peu près tous les niveaux. Je suis un noob, même les hauts jeux dans un jeu, je suis un noob. Allez hop! On va prendre le temps de découvrir un petit peu tous les petits détails qu'il y a, c'est assez sympa. Pareil. En fait, j'ai l'impression qu'on joue à un jeu dans un jeu, vraiment. C'est assez marrant. Alors, c'est parti. Science, science. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Nouvelle tenue débloquée. Ah, mais oui, voilà. Bon, bah, c'est bon, j'ai la nouvelle tenue qui a été débloquée. Je vais aller dans mes tenues. Normalement, elle devrait y être. C'est pour ça que je pouvais pas mettre la tenue tout à l'heure. Voilà. Putain, mais vous avez vu ma tenue? J'ai l'impression. Oh, c'est le roi soleil, quoi. Tranquille. Alors, où est-ce qu'on va aller, les amis? On va continuer le niveau. Le niveau, on rappelle bien qu'on est. F
faut que je monte. Putain, comment on monte? Yeah. Voilà, on va se mettre là. Nouvelle autocollant. Donc on se rappelle bien qu'on est dans le cosmos. On est dans le vaisseau spatial. Ah, je vais prendre les autocollants qui sont juste en bas. Et là, je vais être bloqué parce que je sais pas comment on remonte. Ouais, je sais pas comment on remonte. Ah bah, on remonte comme ça. Voilà, génial. Oh non! Eh, vous voulez savoir à quoi je pensais il y a à peu près... mais je vous le jure que c'est vrai, pendant à peu près... il y a à peu près 10 secondes, à quoi je pensais? Bah, je pensais, et si on faisait ce... Putain. Et si on faisait ce niveau sans mourir? Bah, j'ai à peine pensé ça. Je l'ai vraiment pensé, hein. Juste pensé que, voilà, je suis mort. Donc non, ce niveau ne sera pas fait sans mourir. Vite, 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 vite! Allez, hop! Allez, hop! Oh là là là, mode furtif activé! Donc on a débloqué le chiffre numéro 1, là on a le chiffre numéro 2. Ce serait bien qu'on ait tous les chiffres, comme ça on pourrait faire après des trucs sympas avec les autocollants et tout. Donc là il y a le négativitron qui est en train de nous faire les gros yeux. Je crois que ça s'appelle le négativitron. Ah regardez, une petite cinématique si je puis dire, de cet aspirateur géant comme je le dis souvent. Oh il est en train de nous avaler, vite! Le grand vaisseau a été réparé mais c'est à refaire, tout va à l'eau, tout va à volo. Ça veut rien dire. On va s'écraser. Ça, je l'ai bien compris, l'ami. Oh, regardez. Oh, c'est classe, regardez. Je peux nager super haut. Classe. Oh, c'est cool. C'est comme si on était dans l'espace, dans l'espace, dans l'espace. Non. Yeah. Oh, c'est classe. On se croirait vraiment dans l'espace, en fait, avec la gravité et tout. Ça fait grave bien. Par contre, je suis un peu noob. Hein. Les sackbots, ok, on s'en fout. Comment je fais pour remonter en haut? Ah, je vais remonter un petit peu le truc parce que là, je crois qu'il est un peu... Voilà, hop, on va le remonter, voilà. Allez, un petit saut. Un petit saut encore. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Dépêche-toi, aide-les vite à sortir. À sortir d'où? Ah, mais c'est pour ça que je pouvais pas sortir, ok. Le chiffre numéro 3! Yeah! GG. Donc, c'est... assez surprenant comme niveau, mais j'aime bien. À la 1, à la 2, à la 3... Non! Je suis mort. Voilà, ça devait arriver. Bon. Boing. C'est classe ce niveau. Bing. Oh là là, mais quel swag. J'adore ce niveau. Franchement, les niveaux de Little Big Planet 5. Little Big Planet 2. Là, on est au 6ème monde, mais. Tous les niveaux, je les ai bien aimés, franchement. Je trouve. Je dirais pas meilleur que le 1, mais. Tout aussi bien, franchement. Tout aussi bien. Après, bon. Si. Peut-être qu'au niveau des niveaux, il est plus poussé que le 1, donc évidemment. Mais fallait s'y attendre, hein. Ils n'allaient pas nous faire exactement le même truc que le 1. Il fallait qu'ils soient un peu plus originaux, les développeurs. Et ça a marché. Hein. Holy shit, motherfucker. Oh. Oh là 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 là. Yeah, on a réussi. Boom, checkpoint. Donc là, ne pas oublier... On prend tout ça, hop, et on saute, c'est bon, c'est fait. Donc, on va où maintenant? Donc, en fait, le vaisseau est en train de se détruire considérablement, et le vaisseau est en train de se détruire, mais nous devons survivre. Allez, hop. Non, non, non. J'essaie d'avoir l'autocollant, mais c'est grave chaud. Non, non. Oh là 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 là. Je m'en fous, je vais le prendre. C'est pas grave si je meurs. Voilà, je m'en fous si je meurs. Je suis déjà mort une fois au début du truc, alors ça changera rien. Oh yeah. Donc là, on maîtrise complètement la gravité. Il y a des petits clins d'œil. Je vois qu'il y a des petits clins d'œil aux anciens niveaux, dans le sens où j'ai vu qu'il y avait des animaux comme dans l'épisode où on devait piloter les animaux. Là, il y en avait aussi des animaux. Tiens, c'est cool, on a gagné des... Voilà, on a gagné tous les petits autocollants comme ça. Maintenant, on va continuer vers en haut. Hop là.
truc, ça agrippe trop. Hop, voilà. Enfin, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un seul petit autocollant, quoi. Truc de malade. Et bim! Yeah! Attends, on a la barre aussi. C'est assez classe comme niveau quand même. Voilà, oups, je me suis pris encore un piège électrique. Donc regardez bien les amis le décor un petit peu de l'environnement. On en a pas parlé encore, mais le décor des niveaux. On est plus dans un vaisseau spatial. Donc voilà, le décor est très adapté à la situation. Je sais pas pourquoi, mais j'arrête pas de me faire tuer. Mais violent. Oh, mais comment je fais pour... J'arrive vraiment pas à y arriver. Il faudrait pas que je recommence tout le niveau, hein. Ce serait vraiment chiant. Putain, non, non, non. S'il vous plaît, me faites pas recommencer tout le niveau. Hop, yeah, voilà. Dans l'espace d'un moment, j'ai cru que j'allais recommencer tout le niveau. C'est vrai que ça m'est pas tellement arrivé. Enfin, ça a dû m'arriver une ou deux fois dans le let's play. Mais quand on est mort plusieurs fois, on doit recommencer le niveau tout en entier. Donc des fois, c'est un peu chiant, mais... ça n'avait pas tellement arrivé non plus tant de fois que ça, donc tant mieux, écoutez. Hein. Hop, allez hop, un petit autocollant. Yeah, GG. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier, vous, les abonnés qui sont toujours là. Alors, on va le lire un petit peu avant. Échapper à la mort de justesse, ça remet du beau moqueur. Développe-toi avec machin, 6X pour te retourner, c'est génial. Ok. Ah, c'est assez classe, donc on utilise X en fait là pour se retourner avec ça, c'est assez cool. Et donc pendant que je suis en train de faire ça, je tenais à vous remercier, vous les abonnés. Je reprends mon souffle un petit peu. Voilà, je suis mort. Vous les abonnés qui êtes encore là, même vous vous dites tiens, je vais regarder la vidéo juste pour découvrir comme ça, ou voilà, vous n'êtes pas spécialement fan de Little Big Planet, mais vous regardez juste comme ça. Ou alors que vous soyez complètement un fan de ce jeu, comme moi, enfin perso je kiffe ce jeu. Et que vous ayez envie de voir un let's play, bref, en tout cas, toutes les personnes qui regardent mon let's play, je tenais à vous remercier, un grand merci. Ça fait plaisir parce que je vois qu'il y a pas mal de j'aime et de commentaires, hein. Alors ça fait très plaisir. Comme je le dis à tous les épisodes, faut en mettre des commentaires parce que j'ai les commentaires, en fait, ça me permet de vous voir, je vois que vous êtes là, je vois qui est là, qu'est-ce que vous commentez, même pour dire un ouais super vidéo, ouais tu dois améliorer ça, ouais je trouve qu'il y a 6, enfin pour donner votre avis quoi, donc les commentaires ça sert à ça, je vous conseille vraiment de les utiliser, on a de la chance de les avoir, faut les utiliser, voilà, mais sinon dans tous les cas je vous en remercie parce que j'aurais pu croire, mais j'aurais cru qu'à un certain moment, le let's play, enfin, on croit tous ça, à mon avis, quand on fait un let's play, mais on peut croire qu'à un moment, il va faire un flop, enfin, dans le sens où il va... où l'audience va s'arrêter, dans le sens où, voilà, par exemple, on commence un let's play et tout, il y a 3-4 personnes qui aiment ça, et au bout d'un moment, on peut se dire, tiens, et si jamais ces 3-4 personnes, bah, au final, partaient et n'étaient plus là, au final, il n'y aurait plus personne pour commenter, il n'y aurait plus de vues, il n'y aurait plus rien. En fait, je ferais ça pour moi seulement. Je me suis dit ça moi personnellement comme plein de gens, mais au final le let's play a pas mal marché durant toute l'aventure, donc je trouve ça génial. Si ça vous plaît tant mieux, enfin moi ça me plaît beaucoup, et si ça vous plaît c'est l'essentiel, voilà. Là on est en train de traverser un essai de parcours. Oh là là là, j'ai eu chaud pour le dernier, et ben voilà, ouf, heureusement qu'il y avait le checkpoint. Non, ouf, merde. Non, voilà, merde. J'ai utilisé le bouton X. Allez, là, on y va en mode speedrun et on y va à fond. Voilà. Hop. Et donc, je tenais encore une fois à vous remercier d'être toujours aussi présent. Ça fait plaisir. Là, on va... Ouh, c'est classe. Putain, il y a quand même une... Ils ont vraiment réfléchi hein, dans le let's play. Ça me fait plaisir de voir que les développeurs ont bien travaillé sur le jeu, mais vraiment, vraiment bien travaillé. Ils sont pas foutus de nous. You're not a girl. Hop, voilà. Au passage, on récupère pas mal d'autocollants, ça fait toujours plaisir, c'est sympa. Voilà, on y va. Yeah, checkpoint. Voilà, on a quitté notre petite bulle. Nous sommes déployés, entrelacés, extralacés comme un seul et... comme personne. Je comprends pas ce qu'il veut dire des fois. Cet homme est fou, complètement fou. Donc allez, hop, on va aller là-dedans. D'ailleurs, on est toujours au premier niveau là, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je filme.
pas mal de temps que je filme. Voilà, c'est la fin du premier niveau. Il était assez long quand même. Niveau terminé. Ce qui te rapporte planétarium, combinaison de disco. Oh, j'ai gagné une combinaison. Ça, c'est classe. Je suis le roi soleil. Yeah! Yeah! Trop classe. Yeah! Coucou tout le monde. On va continuer alors, on va continuer dans ce monde appelé le cosmos. On va regarder un petit peu ce qui nous réserve ce monde. Qu'est-ce qui nous réserve de bien? Régler les détails, les derniers détails. Ok, on s'en fout, c'est bon. Ah là, on a débloqué trois niveaux. Voilà, trois petits niveaux à utiliser. Alors, c'est trois petits mini-jeux, si je puis dire. C'est à utiliser en versus quand on sera deux. C'est pour du 2 contre 2, hein, concrètement. C'est pour du 2 contre 2. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans. Full Metal Lapin, Full Metal Lapin, bon, on va faire ce niveau. On va faire encore 2-3 niveaux, je pense, ouais, 2 niveaux. Alors, je souhaite jouer seul, voilà. C'est parti. On va encore faire, ouais, 2-3 niveaux, ou 1 ou 2, on verra bien. Une petite cinématique, en même temps, ça fait plaisir, donc on voit l'espèce d'aspirateur, comme j'appelle. Non, notre vaisseau, il va se crasher, et là, le vaisseau se crache. Oh yeah. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le vaisseau se crash? Oh, il y avait une espèce de une capsule de détresse, à ce que je vois. C'est quoi cette capsule de détresse, effectivement? On verra bien, on verra bien. Et on remarque dans cette vidéo, vous allez voir que vous avez croisé à peu près tous les personnages qu'on a connus lors de l'aventure. Sacripan, aide-nous, le grand vaisseau s'est écrasé à l'autre bout de la planète. On est prisonnier d'un champ de force, le temps presse. Ok, donc là, tout le monde est prisonnier, sauf moi. Comme par hasard, hein. Non, je rigole. Comme par hasard, c'est moi. Bon, bref, on y va. Oh, il y a des espèces de mini... Oh, les mini-diables, il y a les petits diablotins. Ah ah, tes imbéciles d'amis sont de la viande morte et des calendriers morts. Je comprends pas. Ok, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Oui, mais, encore... qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je comprends pas ce que je dois faire. Faut que je les attrape ou quoi? Ah oui, faut que je les attrape. On est un peu sceptique parce que l'ennemi là nous a lancé des bombes et grâce à notre comment ça s'appelle? Il n'y a pas marqué comment ça s'appelle. Mais bref, on peut le... Voilà, hop, on va prendre en plein air. Oh yeah! Oh merde, je suis mort! Is not grave. Ah, oh, je suis encore mort. Là, c'est grave. Hello. Oh non. Quoi? Mais merde, je le prends. Faut que je fasse gaffe là. Yeah, voilà. Alors, je vais remonter en haut. Non, je vais pas pouvoir remonter en haut. Bon, moi, c'est pas grave. Oup. Aïe, hop, t'es mort. C'est facile à tuer, j'ai pas pu avoir le deuxième autocollant qui est en haut, c'est pas grave. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Ouh yeah! Il y a un autocollant en bas, faut que je l'aie, faut que je l'aie. Oh mais regardez un peu ce sackbot qui fait des espèces de sauts à l'élastique, enfin des sauts, des espèces de figures, c'est magnifique. Ah dommage, j'ai pas pu avoir le truc qui était là. Pas grave. Allez vas-y toi, je t'attends, je t'attends. Show! Ils sont assez faciles à détruire au final les espèces de comment dire de. Putain je loupe plein d'autocollants par contre, excusez-moi mais j'en loupe plein. Des espèces de machines comme ça. Oh lui il a l'air un peu plus dur, je sais pas pourquoi mais je le sens plus dur. Ah par contre il lance plus de. Il lance plus de roquettes là du coup je pourrais croire que ça pourrait m'handicaper mais non au final parce que. Il vise tellement mal que je le tue. Voilà. Faut oublier que le jeu c'est pas non plus un PEGI 18 hein, donc c'est pas non plus le jeu ultra dur à finir hein, faut pas rêver. Ah je suis mort vite. Vraiment c'est pas ma veine. Oh yeah je l'ai eu. Et de 2. Et de 3. Oh non lui il a pas pris celui-là il a pas pris. Donc là voilà. On est en train d'écraser, de mettre en sandwich des espèces de petites diables. D'ailleurs, dans ce Little Big Planet 2, au niveau des personnages, on a découvert plein de nouveaux, hein, effectivement. Plein de nouveaux.
toi t'es mort. Yeah, on les a eu. Attends, on gère la fougère, les amis. On a découvert plein de nouveaux personnages, mais je vais me reculer. Alors, regardez ce que je vais faire. Non, putain. J'y vais beaucoup trop tôt. Et de 2. Et de 3. Non, merde, 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 merde. Donc, faut que je prenne le bon créneau. Franchement, le bon créneau. À la 2, on y va. À la 3. Non, merde. Celui-là, il est vraiment cruel, hein, franchement. À la 3, yeah, on a réussi. Hop, vas-y, vas-y, je vais. Alors les amis, j'essaye d'avoir un autocollant qui est juste en haut, mais que j'arrive pas du tout à avoir. Dommage, dommage, bon, c'est pas grave. Hein. Allez hop, je réquisitionne la bombe. Donc là, concrètement, dans les niveaux, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de... c'est à peu près le même gameplay depuis le début du niveau, c'est-à-dire qu'on est en train de... Les ennemis nous lancent des bombes. On est censé faire quoi quand on est là? Vas-y, viens, je t'attends. Allez hop, toi t'es mort. Ah, oh, c'est assez fun ça par contre. On essaie de réquisitionner un... Vite, il veut me tuer, il veut me tuer, il veut me tuer. De réquisitionner des bombes et de les lancer sur les ennemis. Là, on utilise un espèce de broyeur pour broyer les ennemis. Ah, je veux dire merci. Tu auras besoin d'aide pour sauver tes amis. J'ai quelque chose pour toi. Ok, merci mon petit gars. Ah, un nouveau personnage encore une fois. Un nouveau personnage, voilà. Et donc dans les nouveaux personnages, on note bah, les nouveaux personnages un peu comme lui, vous voyez, qui est un peu plus, qui sont un peu plus grands que moi. On note aussi Da Vinci, sa femme, voilà, le bloc-notes et tout. Et en fait, on note aussi que on voit beaucoup plus dans ce Little Big Planet 2. On voit beaucoup plus les Sackbots. Et les Sackbots, vous voyez, on les voyait lors du premier Little Big Planet. On les a vus quelques fois, mais vite fait. Et là, on a vu un espèce de lapin ou de... Non, c'est même pas un lapin, qu'est-ce que je dis? Je sais pas comment on peut appeler ça. On a vu un personnage. Donc, il a fait une vaste apparition. Ah, cool, on a un lapin. Ok. Je me rappelais même plus comment on utilisait ce lapin, vous voyez. Allez, let's go. Donc là, on a le lapin en contrôle. Et donc, il y a plein de nouveaux personnages. Et par exemple, si vous voyez les diables, les choses comme ça... Ça se trouve là dans ce Little Big Planet 2, retenez bien les personnages que nous ne voyons pas trop. Ça se trouve par exemple comme le petit personnage blanc qu'on a vu il y a quelques secondes, voire une minute. Ça se trouve ce personnage là dans Little Big Planet 3, on va le voir, mais alors toute aventure, voilà. Parce que par exemple les Sackbots qu'on ne voyait pas tellement dans le Little Big Planet 1, on les a vu quelques fois je pense, des vastes apparitions. Bah maintenant dans le 2 on les voit souvent. Donc ça se trouve les personnages du 2 seront aussi dans le 3. Faut tout envisager, hein, voilà. Oh, allez hop, toi t'es mort, c'est bon. Alors là on est sur le lapin, et d'ailleurs le niveau s'appelle Full Metal Lapin. Full Metal Lapin, ça me fait penser à Full Metal Alchemist personnellement. Très bon dessin animé que j'aime bien. Enfin, dessin animé manga aussi, hein, faut pas... Yeah, toi t'es mort, vas-y. Oh oh. Putain, faut que je maîtrise ce lapin. Je ne maîtrise pas encore la technique du rabbit, du lapin. Allez hop, toi t'es mort, voilà. C'est bon, bon les amis, on les gère pas mal. On est plutôt dans un environnement de pollution, hein. C'est la pollution concrète. C'est voilà, comme disait ma grand-mère, c'est pas très halal tout ça. Voilà. Ouh, shit. Yeah, oh bah là, je me suis fait mais pire que crever quoi. Bon allez, par la puissance du sack power, nous y allons les amis. Nous pouvons le faire. Ouf. Holy mother. C'est bon, on les a eu. Et voilà. C'est pas si difficile en fin de compte. Hein. Quand on a le truc, ça va. C'est tranquille. Non. Il me suit. Voilà, je l'ai eu. J'ai cru que j'allais me faire vraiment... Ah, il y a des petites cassettes. On marque dans le paysage, il y a des petites cassettes. Des cassettes comme à l'époque, vous voyez, quand on devait rembobiner la cassette et tout. C'était assez marrant. Alors, donc voilà, on y va. Oh mon dieu, je le sens très mal. Toi t'es mort. On va les tuer un par un, hein, concrètement, parce que sinon on va se faire pire qu'avoir. Hop, voilà, toi t'es mort aussi. Bon, c'est bon, c'était pas trop dur.
On les gère plutôt pas mal, les amis. C'est bon, je pense qu'on les gère bien. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, on a retrouvé le vaisseau avec nos amis, quoi, c'est à l'intérieur. Ma foi, je ne pensais pas que ce petit sacripant réussirait. Merci, ça fait, c'est gentil, c'est gentil. Oh, Larry, ne dis pas de bêtises, j'avais la foi, merci, petit. Yeah, on a réussi, on a réussi, on a réussi. GG à nous. Hop, voilà. Tête de flash, on a débloqué quelques petits équipements, j'avais pas vu trop. 56% des objets débloqués, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Très bien, très bien. Donc on est dans les 300 000 premiers, c'est un score honorable. Hein. Non, je rigole. Continuez, continuez, voilà. Donc pareil, j'ai acheté The Last of Us il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, j'ai déjà posté quelques vidéos sur ma chaîne de ce jeu. Et j'ai débloqué un skin de Ellie, qui est un personnage de The Last of Us, mais un skin de Ellie dans Little Big Planet. Donc c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal du tout. On va continuer avec Où est Avalon Centrifuge, donc on y va. Ce niveau, ce sera le dernier niveau avant qu'on se quitte. Et donc oui, le skin de Ellie que j'ai sur Little Big Planet, que je vous montrerai dans le prochain épisode. J'espère qu'il vous plaira. Alors... hop, c'est parti. AZERTY, machin est connecté, on s'en fout. Le temps presse, ça crie pas. On doit trouver Avalon, c'est parti. Demande des capsules de largage pour les renforts de Sackbot. Ok, c'est parti. Voilà, excusez-moi, j'avais eu un problème. Je vais juste éternuer, donc j'ai coupé mon micro. on doit aller où là? Ah oui! Oh, oh my god! Holy mother! Oh là 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 là! C'est un truc de fou! Truc de fou! Truc de fou! Donc, j'avais pas tilté que c'était comme ça, hein, mais. Voilà, donc. Oh, je le trouve pas mal cet autocollant, on va le récupérer. Yeah, on l'a eu, c'est bon. Et hop, on a le deuxième. Et hop. Alors là, je me balance et... on va essayer d'aller là-bas. Je vais essayer d'aller là-bas, regardez, les amis. Hop là. Allez hop, yes, c'est bon, on y est arrivé. On s'est balancé un petit peu et on a réussi à aller vers là-bas. Donc, maintenant, on y retourne. Merde, merde, merde. Ouh, j'ai eu chaud. Donc là, on va utiliser des grappins, en fait. J'ai l'impression que... enfin, dites-moi le contraire si vous pensez pas, mais... j'ai plutôt l'impression... Oh, oui, on est là. C'est qui, ces gars? Le négativitron n'a aucune chance contre nos rayons de positivitron. Oh, mon Dieu. Alors là, c'est tout un vocabulaire, le positivitron. Ouais, quand même. Donc, voilà, c'était le positivitron. Oh, lol. Alors là, c'est bien trouvé quand même, c'est bien trouvé, le positivitron, j'aurais jamais trouvé un truc comme ça. Rien que le négativitron, j'avais pas tilté le nom, ok, mais le positivitron, alors là, niveau nom, ils ont fait fort, ils ont fait fort. Comment je fais pour venir en haut, là? Enfin, comment je fais, moi? Ah, faut que je revienne en haut, par où je reviens? Ah oui, par là. Hop, voilà, c'est bon. J'arrive, j'arrive. Donc par où on va passer maintenant? Alors les positivitrons sont avec moi, donc c'est assez original comme nom. C'est trop marrant, j'adore ces petites bestioles. Les positivitrons, bientôt dans les bacs. Hop, voilà, allez, hop, détruisez ça. Donc les positivitrons qui sont en bleu un peu fluo, nous aident à... excusez-moi, j'étais en train d'éternuer, je sais pas ce que j'ai, ça doit être des allergies ou un truc comme ça, mais ça ne réussit pas, putain. J'étais malade il y a quelques semaines, mais là, hop, ça empire. Allez, hop. Donc en fait, excusez-moi, mais j'ai l'impression que je suis malade. Les positivitrons, voilà, c'est, ils sont en bleu cyan, on peut appeler ça comme ça. En bleu cyan. Et il nous aide à tuer les parties du négativitron. Je vais essayer d'avoir le truc qui est là-bas. Non, je vais pas y arriver ici. Ouais. Une. Deux. Ah merde! J'essaie d'avoir un autocollant qui est juste là-bas, mais j'arrive pas à l'avoir. Je vais y arriver, je vais y arriver. Tant, tant, tant. Je me balance depuis 5 minutes là. Allez hop, vite!
je rigole pas depuis 5 minutes. Un, deux, trois, quatre, je veux vraiment avoir cet autocollant parce que ça me stresse là. Une, deux, bon allez, je l'aurais pas, excusez-moi, j'aurais vraiment pas cet autocollant. Oh, je voulais l'avoir moi. Pas grave. J'en ai eu un autre à la place, c'est pas mal. Allez hop, toi t'es mort. Bim, c'est parti. Ouais, il y a plein d'autres autocollants, c'est pas grave. Yeah! Putain, il m'a propulsé le truc. Hop, c'est parti. Donc là, excusez-moi, je me concentre un petit peu. On est sur... Oui, vous ne rêvez pas, je suis en train de m'agripper sur une abeille pour monter. Oui, c'est tout à fait normal. Non. De toute façon, dans Little Big Planet, c'est tout à fait normal. C'est des choses qui arrivent très souvent. Hein. Vous inquiétez pas, alors. Vous inquiétez vraiment pas. Hop, la bim. Une. Je rêve ou je suis en train de crever violent. Non, non, je rêvais pas. Qu'est-ce qu'ils font, les petits, là? Hop, le deuxième est mort. Ah, ok, faut que j'appuie en bas. Ok, j'ai compris. Putain, je suis noob quand même. Hop, voilà. Fallait que j'appuie sur le bouton pour qu'ils viennent et pour qu'ils m'aident. Yeah, GG à eux. Hop, et de deux. Voilà, j'ai les autocollants qui sont juste là. Maintenant, on va monter en haut. Donc, on est encore une fois dans un environnement assez, assez sombre, assez négatif, on va dire. J'ai l'impression que je viens de tomber malade en live. Hop, yeah. C'est parti. Donc les négativitrons, les positivitrons, je confonds. Et ça, si je confonds, ça va mal. Les positivitrons qui nous aident à... Oh là 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 là, c'est chaud. Je me fais avoir à chaque fois par cette espèce de géant truc là. Vite, 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 vite. Allez, hop. Crève, bitches. Ouais, t'es mort, vas-y, yeah, t'es mort. Ouf, on a eu de la chance. N'empêche, le niveau est un peu what the fuck, hein. On dirait un peu un espèce de Spider-Man. Hein. Donc, on y va, et hop, on y va, on y va. J'ai pas pris l'autocollant comme un con. Il y en avait un là, donc j'étais obligé de passer par là. Je veux pas mourir, non, je suis trop jeune. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Oh oh. Wallé. Wallé. Allez hop, voilà, il est détruit. GGGG. Et en fait, à l'intérieur de chaque petite machine qui a envie de nous détruire, il y a un espèce de, une espèce d'un truc violet, une partie du négativitron. Et nos positivitrons, bah, les détruit. Donc ça, c'est pas mal. Ouh là là, j'ai cru que ça allait me brûler, ça. Allez, on arrive avec le bloc-notes. Il est temps de descendre au cœur des ténèbres. Il est fou, ce bloc-notes. Où est Avalon? Non, non. Il y avait peut-être des choses à gauche, j'aurais dû aller voir, mon brave. Donc, toujours avec notre escouade. Une escouade. Et hop, c'est parti, voilà. Merde. Wallé. Oh là 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 là. Oui, on les a eu, c'était magnifique. GG. J'aime bien ces niveaux quand même. Je trouve que ils sont super sympas et je trouve que pour finir en beauté quand même, ces niveaux dans le cosmos, les niveaux du cosmos sont pas mal. Moi, j'aime bien. Mise le fait que j'arrête pas de crever. Oui, excusez-moi. Ouh, je l'ai eu, c'est bon. J'en étais sûr, j'allais crever. Faut que je fasse gaffe. Hop là, voilà, c'est bon, on les a eu. Donc, on va pouvoir avancer dans le niveau. J'ai hâte de battre le boss final pour voir comment ça se fait. Oh non! LOL! Allez, carrément. Donc là, j'ai compris ce qu'il faut faire. Voilà, l'ennemi va nous viser. Oh mon dieu, c'est trop dur. Non, ne me dis pas que c'était ma dernière vie après ça et que j'en ai plus.
J'ai de la chance. Il prend très mal. Donc regardez ce que je vais faire, comment je vais la jouer. Voilà, hop, c'est bon, j'en ai eu un. Hop, c'est bon, je l'ai eu. Je suis en mode très stressé les amis, parce que là il me reste une vie. Et si on perd, on va recommencer tout le niveau. C'est assez chaud. Oh mon dieu, comment je l'ai eu. Oh là là, magnifique. Magnifique. Magnifique de chez magnifique. Oh là là. Pitié, mettez-moi un checkpoint, parce que là sinon on est mort. Oui, un checkpoint, voilà. J'étais en mode stress, excusez-moi, parce que là, si on n'avait pas de checkpoint, on allait franchement galérer. Donc, excusez-moi, Roy, il y a une petite coupure. Je suis ici de mon plein gré, aucune rage ne peut retenir Avalon, centrifuge. Ok, c'est bon. Donc, en fait, notre allié a été capturé, il dit qu'il est là parce qu'il a envie. Très juste, très juste. On a des alliés un peu bizarres, quoi. Oh yeah. Et quand je suis là, je dois faire quoi? Ah ok. Ah juste à temps pour assister à mon évasion héroïque. Ton évasion héroïque, elle s'est fait avoir là. Ah là là, bon allez c'est parti. On va aller sauver notre petit pote qui est là. Oh, c'est l'apocalypse, oh mon dieu, c'est 2012 en 2013. Le 21 décembre n'était pas une légende, mais c'était la mauvaise date. Il se fait avoir. Bon, c'est bien fait pour lui, là, il a pas fait son malin. Il fait trop son malin les gars. Hein. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Comme on dit, on a eu chaud. Oh, oh. Holy shit. Ouh. Hop là, petite abeille. Merci à l'abeille d'ailleurs qui nous a aidé. Allez, allez. L'abeille, l'abeille, l'abeille. Je veux cet autocollant. Le mec il serait prêt à tuer un boss pour un autocollant hein. C'est moi ça, c'est tout moi. Autocollant, autocollant. Wouh. Non, non, je m'en fous. Au péril de ma vie, je reviens, je veux ces autocollants. Non, je les veux, je les veux, je veux ceux qui sont là-bas. Oh merde, je les ai pas eu. Je m'en fous, au péril de ma vie, j'irai les prendre. Voilà, c'est bon, je les ai eu. Attends que je suis content. Je peux me laisser me propulser. C'est bon, on va se faire tuer. Allez, contract, contract. Yeah, GG. Quand il contracte ses muscles, j'ai droit à un autocollant, donc il faut que je le fasse. Hein. Non. Non, je suis redescendu tout en bas. Enfin, encore pas tout en bas, ça va. Non. Là, c'était tout en bas, par contre. Vite, allez hop, allez hop. Oh là 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 là, je... Non, je suis encore redescendu, merde. Je suis pas doué. Allez, on attend que ça se rapproche, voilà. C'est bon, c'est good, c'est goody good. Oh là 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 là. On va se faire, mais alors... Vite, 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 vite. Oh là là. Bon, opération, il faut qu'on monte, les amis. Donc là, voyez, on est en train de traverser le corps humain de ce robot. Enfin, le corps humain de ce robot, c'est... Oui, je sais, c'est complètement illogique, ce que je dis. C'est pas grave. Hein. Est-ce qu'on doit aller, maintenant? Ah, on va traverser ça. Oh, yeah. Le mec qui traverse le robot, n'empêche, tranquille, quoi. Donc là, je suis rentré à l'intérieur de son cerveau. Là, je suis en train de tirer son cerveau. Là, je suis en train d'exterminer son cerveau. Voilà. Bon, il a plus de cerveau. Je viens de griller la carte mémoire du robot. Bon, ça, c'est fini. Voilà, il n'y a plus de robot. Magnifique, magnifique, magnifique. GG, GG. Je ne faisais qu'occuper la bête pour que tu donnes les coups de grâce, eh. Le coup de grâce. Alors, Avalon, est-ce que tu suggères qu'on a travaillé en équipe? Ok. Oui, ma foi, oui, oui. Effectivement. Oh, ma foi, oui, Larry, je suppose. On n'avait pas Avalon travaillé en équipe. Certifuge. C'est combien centrifuge? Ah oui, pour rien, excusez-moi. Magnifique niveau. J'ai bien aimé le niveau, j'ai vraiment bien aimé. Voilà, voilà. Donc, c'est la fin de cet épisode. On est à l'épisode 12. On est à l'épisode 12. Ça sera l'épisode 13. Alors, en fait, si on calcule bien, normalement, j'avais à peu près le...
Le jeu n'est pas plus long, je trouve, que dans les Little Big Planet 2. Au contraire, je le trouve presque pareil. Ouais. Je sais pas, j'en sais rien. Je le trouve presque pareil, voire. Non, pas plus court, mais ouais, pareil. Bon. À peu près pareil. Il y a moins de monde, mais il y a plus de niveaux. Donc on va faire continuer, c'est parti. Dans l'épisode suivant, vous retrouverez. On va mettre le trailer et tout. Non, mais dans l'épisode suivant, j'allais dire précédent. Dans l'épisode suivant, on ira à Attaque des Bourdons. Et après, on ira au niveau final, le niveau final du jeu. Et la cinématique, voilà, ça sera le dernier épisode du Let's Play. Un Let's Play que je suis très fier et très content de faire avec vous. Ça me fait très plaisir, enfin, que des gens le regardent. N'oubliez pas qu'après le Let's Play, il y aura encore des épisodes inédits, et oui, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai aussi tous les costumes et tous les autocollants, les niveaux qu'on peut créer, les niveaux qu'on peut télécharger, les hors-séries avec les animes. Bref, Little Big Planet est un jeu quasi infini, quoi, et j'ai encore beaucoup de vidéos à faire sur ce jeu. Sur ce, les amis, on va se retrouver dans le prochain épisode. J'espère que vous serez toujours aussi nombreux. Sur ce, j'arrête pas de dire ça, je sais. Vous pouvez mettre un commentaire pour mettre votre avis, hein, comme d'habitude, je le rappelle. Un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir, un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à parler de la chaîne à vos amis. Ça me ferait très plaisir. Voilà, on se retrouve pour l'épisode. Ça sera l'épisode 13 bientôt et l'épisode final. C'était l'épisode 12. J'espère que vous avez bien apprécié ce niveau, cet épisode. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.